S'agit-il de la Rochelaise, Léa Loire? Réponse en quelques secondes, on peut l'applaudir en attendant. Voilà, c'est bien elle, elle est championne de France d'aquathlon. Un superbe parcours de la Rochelaise, qui l'a bien lâché sur la course à pied, qui s'empare du titre. Oh, elle a été impressionnante à pied. Hein. Comme d'habitude, on a envie de dire. Hein. Alors, est-ce que maintenant la porte aura pu sauver des médailles? Parce qu'il y a Ambre Grassé aussi qui ne devrait pas être loin. Et Léa qui va être félicitée par sa sœur. Évidemment. Allez, Juliette, un petit bisou à Léa. Elle va pouvoir le bisou. Voilà. Et Lisa Lecomte prend la deuxième place. On va le jusqu'à l'étriathlon. Superbe deuxième place de Lisa Lecomte. L'escalier un club qui monte hein, aussi. On va retracer. On va retracer troisième pour ici Triathlon. Et voilà, on s'en doutait un petit peu. C'est vraiment les filles qu'on a l'habitude de voir devant. Et je crois que Manon Laporte arrive en quatrième place dans la médaille en chocolat pour celle qui avait pourtant fait la toute meilleure natation. Comme ça, les filles étaient. De la course à pied encore. Et oui, Manon Laporte, quatrième pour le match du Monde Olympique. Le top 4 donc. Léa Ouar, Lisa, Lecomte, Ambre Grassé. Et l'arrivée de la prometteuse Julia Vizieron qui est une excellente nageuse et qui fait petit à petit preuve de combativité au cours de ses résultats. Elle fait partie du triple de Torcy. Allez, on vous rappelle le top 5. Léa Ouar, Lisa Lecomte, Ambre Grassé pour le podium, Manon Laporte, Julia Vizieron pour les accessibles, et Valentine Dubreg, du Team Oval, vient chercher la 6e place. Allez, on accueille dans quelques instants la 7e avec Clara Gillotte, Ravine. Avec très belle prestation aussi de Marie Guyot qui vient chercher une 8e place pour les couleurs de bol. Jade Texier complète la 9e place sur le Vendée, le top 10 avec la Rochelle Triathlon et Manon Thomé. Voilà Manon Thomé, top 10. Anna Baran vient chercher une belle 11e place pour le GT de Toulouse, Lila Barbie. Et 12e, Clémence Debeau, 13 et Yves Carré, 14. On n'oublie pas Edige. Corel, qualifié pour le best of à Nazaire. Roman Chamon et Émilie Trinel. Rachel, Roch et Jeanne Touchval. Elia Berthaud, suivi de Candice Giraud pour le 7-20. On va mettre deuxième place, on va Florian Medina, Tate Reims. Vazel Pio, Lise Sonnenberg, Lisa Chaillet, Romain Sublet. Jeanne Barreau, de la personne qui est dans. Agathe Claude, pour Bastiaton. Joanne Chargen, pour Bastiaton également. Alain Duquen, Joanne Sublot, Valentina, Keva. Le départ des cadets.
l'an dernier à Pontivy, Pablo Guizoton, qui avait emporté devant Vincent Mercieris et Gaspard Caro. Julien Collin avec la 4e place, Vidéo 1B la 5e. Les 5 garçons que l'on retrouvera cette année au niveau des juniors. Pierre, petit passage vers la case publicité, jingle partenaire. Le comité d'organisation du triathlon d'Angers et ses 250 bénévoles vous souhaitent la bienvenue sur le week-end des championnats de France d'aquathlon et des 8 jeunes du triathlon. Nous remercions chaleureusement nos partenaires institutionnels, la ville d'Angers et l'ensemble des agents et services impactés par notre événement. Le conseil régional du Pays de la Loire, le département de Maine-et-Loire, la fédération française du triathlon et la ville du Pays de la Loire, ainsi que partenaires du lycée. Nestor Immobilier, le Crédit Mutuel, Sport Eco, Trimonie Station, Yungal, beaucoup, Super Panda, le Grenier à Paris, Akiama, et aussi l'agence de décoration, Approuve, l'agence de communication commune, Vestia, Vore, l'outil de gestion de super bénévoles, l'équipementier des milieux gauche, Odorant. Excellente journée à toutes et à tous. On fait des liens qui débarquent sur votre droit, en restant attentif aux gestes barrières et à votre hydratation, que vous êtes en danger par votre évolution. Voilà, merci. Donc, appel des Calais dans le SAS numéro 1. Il est champion de France de triathlon. C'était à Pontivy le mois dernier. Il est pour les couleurs du Valais de Montmorency triathlon, pour les couleurs de l'île de France. Donc, à 1, Nils Serkiewicz. Il aura le dossard 117, il est vice-champion de France de triathlon Calais 2022 pour les couleurs du Metz triathlon et la Ligue Grand Est, Tristan Touche, vainqueur l'an dernier en minime. On continue avec celui qui nous vient de la Réunionnette, du West Run triathlon, tout simplement troisième de ce même championnat de France de triathlon. Donc, pour Pontivy en Calais 2022, dossard numéro 2, Milan Larivière. Il y aura le dossard 3 du Poissy Triathlon, où il défend les couleurs de la Ligue de France, Liste Espoir 2022, monsieur Vivian Majeux. Et enfin, celui que l'on décrit comme un nageur terrible, du Rouen Triathlon, la région Normandie est à l'honneur avec le lycée Espoir 2022, le Sarcat Paul Delamarre. Lycée Paul Delamarre en 10 minutes, la chaîne de la France de Poisson. On a ensuite le SAS numéro 2 de Dossard 5 à 37. Dossard 5 à 37, SAS numéro 2. Avec 6ème d'art de Dossard 5, hein. On rappelle 6ème minute l'an dernier. Alors évidemment, un deuxième en triathlon et troisième, deuxième en triathlon et en duathlon. Et troisième en triathlon, Nils Serkiewicz aimerait bien se couvrir d'or cette fois-ci. Deuxième en aquathlon chez les mini l'an passé de Réunionnais. Milan Larivière affiche de grosses ambitions, médaille de bronze chez les mini lors de la précédente édition. Attention à Achille Besson pour la suite des grandes secours nature. Les moyens de aussi se trouver sur le départ du podium. Attention également à Anton Serriès qui veut gagner lui aussi quelques rangs. Voilà une course minime pour Canet, pardon, Canet garçon avec le même perspective. Le SAS numéro 3 de SAR 38 à 62. SAS numéro 3 de SAR 38 à 62. Avec le SAS numéro 4 de SAS 63 à 87. SAS numéro 4 de SAS 63 à 87. Dans ce SAS également, les deux SAS 119, 120 et 121. Et le 123 intégrera le SAS 3 également. Thank you.
enfin le sas numéro 5, et bien les Oscars 88 à 125. Le reste de la délégation de nos cadets intègre ce sas numéro 5. Donc vous pouvez vous faire quand même avec cette fameuse sortie australienne, une sortie toujours très spectaculaire. On rappelle que les seniors avaient jusqu'à normalement 10h30 pour venir retirer leur dossard. Il en reste un grand nombre. Donc merci à nos seniors présents sur site de venir très rapidement maintenant avant que le secrétariat de course ne leur permette plus de retirer leur dossard. Merci à vous, seniors, d'échanger votre France à Coiflon, de venir en haut de la pyramide pour retirer votre dossard. Allez, puisqu'on parle de pyramide, la première boule pyramidale va être franchie par une tête de course. Le stand de restauration est à votre disposition tout près de l'heure de transition, tout comme le stand de Paco Store pour présenter
pas mal de matériel. Donc n'hésitez pas à faire changer son équipe. Donc ça va.